Vous avez suivi certainement le décès, l'annonce du décès du docteur Djoubaté à Kankan. Un jeune médecin, pédiatre très compétent, très dévoué. Bon, les gens disent qu'il est de Kankan, mais il a étudié à Gekedou. Finalement, il est allé là-bas aussi. Il est très connu. Et qu'est-ce qui nous touche? Ce n'est pas la mort, ça, Dieu va faire la justice. Mais c'est du fait qu'un préfet qui a l'autorité, qui incarne l'autorité, dise devant tout le monde, à l'inauguration d'une stèle du président de la transition, en bonne langue nationale, Komimba Lakreta, ou bien Peltir Takandi, Laninkang, Alvadoui, il est fallu en Watro. Comment on peut faire l'apologie du crime organisé comme ça? C'est anormal. Une autorité ne doit pas dire ça. Une autorité devait se mettre à faire des enquêtes pour définir les causes de la mort du regretté. Mais dire que celui qui met la craie, la peinture sur ça maintenant, vous avez suivi le sort de l'autre, toi aussi tu vas suivre ce chemin-là. Et prier après, il dit Allah Akbar, pour ceux qui ont écouté la vidéo. Il dit Dieu est grand après ça. Donc, voici ce que le professeur Alpha Condé n'allait pas permettre, ne permettrait pas et n'enseigne pas à ses responsables. Le professeur n'a jamais enseigné ça, de faire l'apologie du crime, surtout au niveau des responsables.